Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, ce que on va faire, c'est présenter la petite CLA. Alors c'est une CLA 220 de 2016. C'est la phase 2. J'en avais déjà des phases 1, je vous ai fait plusieurs vidéos. Et là, j'ai celle-là, j'ai fait quelques modifs et vous avez toutes les vidéos sur ma chaîne. Et là, c'est une vidéo de présentation et de ce que j'ai fait un peu, entre guillemets, sur la voiture. Donc pour commencer, comme d'habitude, on fait l'avant, les côtés, l'arrière et puis voilà. Là, comme vous pouvez voir, j'ai installé une lame qui fait tout le tour, là, une en bas et ici. Alors, c'est tout un kit que vous pouvez commander. Je vous laisserai les liens en bas de la vidéo. Et vous avez les vidéos de montage sur ma chaîne à part. Donc voilà, en ce qui concerne les lames, franchement, ça fait un grand changement. Avant, ça n'avait rien à voir. Je vous conseille d'aller voir mes vidéos sur ma chaîne. Ensuite, là, les feux full LED. Franchement, ça c'est top, surtout au déverrouillage, ça s'allume bleu. Après, je vais vous montrer, je vous fais une petite vidéo. Là, la calandre, je l'ai laissée en diamant. Je voulais pas mettre la Panamérica parce que celle-là, franchement, je trouve qu'elle est bien. J'ai juste un ski en chrome, je l'ai fait en noir. Et là, ça rend vraiment top. La calandre, elle est restée d'origine, j'ai fait ça en noir. Mais sinon, la calandre Panamérica aussi, elle est bien. Mais là, je trouve que celle-là, elle voit bien. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc là, on va faire les côtés. Alors les jantes, j'ai pas touché, j'ai fait les étriers en rouge, en sachant qu'il y a des modèles où vous les avez en rouge d'origine. Là pour le cas, je les ai fait moi en rouge. Alors c'est des 18 jantes AMG, vu que c'est un pack AMG, donc rien de spécial. En tout cas, c'est un deuxième modèle de jantes. Vous avez le modèle avec 5 battants et ceux-là, franchement ceux-là, j'aime bien, ça lui va vraiment bien. Ensuite les rétro noirs, ça aussi c'est d'origine, Shadowline. Avec toutes les baguettes en noir, franchement, ça c'est top. Toit panneau, bien sûr, ça sur les ciels là, franchement, ça rend vraiment bien. Ensuite, l'autocollant, comme vous savez, je le fais à chaque fois dès que j'ai une ciel là. Vous avez des vidéos sur ma chaîne pour l'installation et ou acheter ou commander, etc. Ensuite, les jantes, c'est d'origine. Sur les ciels là, ce que j'aime bien, c'est vraiment l'arrière, la ligne qui descend comme ça. Rappel de CNS, franchement, c'est une dinguerie. Ensuite, on va passer sur l'arrière. Ah, d'ailleurs aussi les vitres comme ça sur les choupettes, ça c'est trop stylé, il n'y a pas de contour. C'est vraiment beau. L'univers pas génial, mais c'est beau. Ensuite, on va passer sur l'arrière. Un petit béquet, bien sûr, obligé. Logo en noir. Les feux comme ça d'origine, légèrement teintés. C'est d'origine, j'ai rien touché, mais c'est franchement top. Le diffuseur, pareil, il est noir d'origine. Les embouts, je voulais les faire en noir, mais j'ai laissé comme ça. Ensuite, ça, je l'ai rajouté moi. Ça, c'est franchement top. Ça ressort bien les lignes, etc. Donc voilà, en ce qui concerne l'arrière. Ensuite, le coffre, bah, il y a de la place. Ici, j'ai mon sac que vous pouvez commander sur Accessoires de Luxe. Je vous laisse le lien en bas de la vidéo. Donc vous mettez ça, vous mettez tous vos produits à l'intérieur, polish, etc. Et franchement, comme ça, il n'y a pas de bordel dans le coffre. Donc voilà, les LED, c'est d'origine aussi. Donc voilà, je vais vous montrer vite fait l'intérieur. Voilà, c'est parti pour l'intérieur, rien de spécial. J'ai rajouté des LED ici, comme d'habitude. C'est beau, ça fait un peu de changement. Les sièges électriques, ça c'est top. C'est un peu rare sur les CLA. Ensuite, l'option pour le son. Harman Kardon, franchement, c'est un bon son. Ensuite, là, ça c'est d'origine, c'est vraiment pas mal. Le volant sur les phases 2, il change légèrement. Il est vraiment pas mal. L'écran aussi, d'ailleurs, il est un peu plus grand et il n'y a pas la bordure. C'est vitré comme ça. Franchement, il y a un petit changement, mais c'est vraiment pas mal. Les palettes au volant, etc. Toit panoramique, feu automatique, etc. Donc voilà, les sièges, ils sont beaux. Surpiqué rouge, cuir Alcantara. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Elle se garde toute seule. Il y a la caméra de recul. Elle est bien optionnée. Alors sous le capot, c'est un peu galère d'ouvrir parce que sur les Mercedes de l'I2, c'est rare que vous ouvrez le capot. Donc voilà, un petit 2 litres 2, 177 chevaux, franchement un bon moteur de chez Mercedes. Il n'y a rien à voir que des caches. Ici vous avez un téton, vous pouvez vous amuser. Donc franchement,
Voilà, c'est tout ce qui me concerne ça. C'est une boîte automatique, 7 rapports. Là, je vais vous montrer pour les feux. Je vous dis avant. Si on déverrouille, ça passe en bleu. Et ensuite, ça, franchement, c'est un petit détail, mais ça change tout. Donc voilà, ça sera tout pour la vidéo. Et si jamais ça vous intéresse de l'acheter, elle est à vendre, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram. Renseignement de la voiture. Alors, c'est une voiture 2016, phase 2. Elle a 128 000 km. Elle sort de chez Mercedes, il y a tout qui a été fait, les entretiens, vidange, boîte, moteur, bougie de préchauffage, batterie. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, le prix c'est 25 000 euros et vous m'envoyez un message sur Instagram si jamais vous êtes intéressé.